Pauvre tristesse et en même temps je sais pas parce que j'en connais aucun personnellement et je connais pas parfaitement leur musique, enfin je connais pas toute leur discographie, mais de la tristesse, bien sûr. Bah écoutez, je suis triste. Je trouve que c'est comme une vie amoureuse, on se met ensemble, il y a une histoire très forte et puis parfois on se sépare. Très peu de groupes ne se séparent pas. Alors je trouve que ça fait partie du groupe. Les histoires des groupes, il y a que les Rolling Stones et 2-3 groupes qui ne se sont pas quittés, mais sinon ils ont tous éclaté. Ça fait partie de la vie, je crois. Ah, moi j'ai aucune réaction sur Noir Désir, aucun commentaire. Est-ce que tu as un commentaire à faire? C'est fini vraiment? Ouais, c'est vrai. Je savais pas. Bah, moi j'étais un grand fan de Noir Désir, comme beaucoup de gens. Je pense par contre que je le voyais pas, ce groupe, renaître de ses cendres et ça m'étonne pas que ce soit terminé. Et, même en tant que fan, j'ai défendu Bertrand Cantat dans les soirées où Bertrand Cantat en a beaucoup parlé de ce fait divers et avec les potes, avec les gens, on en parlait. Et c'est vrai que moi personnellement, je suis personne pour... c'est pas très intéressant mon avis, mais moi je pense qu'il faut que ça s'arrête et je pense que c'est terminé. Et je pense que ce groupe qui est une légende, qui a été une légende vivante, il serait d'autant plus une légende si ça s'arrêtait, si ça avait déjà... était terminé depuis longtemps en fait.